C'est dans cette ambiance que s'est déroulé du 21 au 28 juillet 2024 à Mayanga dans la communauté des sœurs servantes d'Okana, la 5e édition de camp de filles de 9 à 13 ans et de 14 à 17 ans dont l'objectif est de retrouver leurs valeurs et de devenir toujours et encore meilleurs dans la société. À cet effet, après un moment d'adoration au Très Saint Sacrement chaque matinée et de formation humaine et intégrale sur leur être, ces filles ont eu également droit sur comment fabriquer des bracelets, boutonnières, des pots de fleurs, bref, comment devenir une valeur ajoutée dans la société. Très satisfaits de ces retrouvailles, ces filles n'ont pas hésité de nous livrer leur point de vue. Je suis venue ici afin d'apprendre à nouveau à encore évoluer pour ce que j'ai fait d'abord, parce que j'étais d'abord ici l'année passée. Je suis encore venue parce que je sais que ça m'apporte beaucoup de choses, et moi aussi quand je rentre à la maison, je vais apprendre à ceux qui sont là-bas afin de les pousser à venir ici. Bon, il y a la joie, on apprend beaucoup de choses, on a appris à faire des bracelets, à broder, on a appris à faire des soufflets, des gâteaux. J'ai participé à l'atelier des bracelets, comme j'aime être ensemble avec mes amis. J'ai eu à faire la pâtisserie, des pots de fleurs en papier. Oui, j'ai participé à la fabrication des bracelets, à faire des soufflets et des toffies, à dresser le lit et aussi à faire de la pâtisserie. C'était vraiment une joie pour moi de participer à ces trucs, et aussi ça m'a permis, puisqu'on nous a appris à faire des bracelets à la maison, si j'ai besoin d'argent, je peux les fabriquer et puis les vendre. Donc ça m'a vraiment aidé ce que j'ai fait. J'ai retenu comment on fabrique des bracelets, des soufflets. Et aussi chaque matin on se réveille, on fait le sport, on se brosse, on va à l'église. Ici on fait tout ensemble. On mange ensemble, on prie ensemble, mais avant de manger, on prie d'abord. J'ai appris à faire le ménage, à dresser la table, à ranger le lit, à faire la pâtisserie, à ranger les bracelets. La sœur Hortense Timba, promotrice de ce camp de filles, revient sur le bien fondé de ce camp. Bon, l'objectif, c'est de former des jeunes filles qui seront comme des jeunes qui peuvent contribuer à un monde de paix. Donc c'est une formation de bâtisseurs, de bâtisseuses de ponts de paix. Une formation humaine, une partie des adolescentes qui les prépare à devenir des âmes de paix partout. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, partout où elles vont. Qu'elles soient capables de créer des expériences, des bonnes expériences. C'est-à-dire que de former un monde de paix là où ils sont. Alors je prends les adolescentes de deux niveaux, les pré-ados de 9 ans à 12 ans ou 13 ans et de 14 ans à 17 ans. Ça c'est la classe de 14 à 17 ans. Et là-bas, celles qui sont restées, c'est 9 ans à 13 ans. Donc je vise les ados parce qu'elles ont beaucoup de problèmes, elles ont beaucoup de choses à partager. Elles gardent beaucoup de choses dans le cœur, parfois à la maison, une autre personne à qui partager. Donc avec ces ados-là, on fait aussi les accompagnements, un suivi individuel, un point écoute où j'écoute les problèmes de chacune d'elles. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre aussi un grand nombre, parce qu'il faut les accompagner. Notons qu'au total, 27 filles ont pris part à cette 5e édition de camp de filles et qui a eu pour thème « Bâtissons la paix, donnons la joie ».